Dans saison de chasse, découvrez les 4 enregistrements. Ça, on l'a. Ah, on l'a fait, ok. Il est stylé en plus. Dans cible prioritaire, obtenez le scan rétinien du sénateur de 3 façons différentes. Donc, faut le refaire 2 fois, quoi. Dans sous les radars, utilisez la capacité œil attentif de Sèvres sur les 3 gardes. Répondez à tous les appels téléphoniques, on l'a fait. Là, c'est terrible, il manque un truc. Et ouvrez tous les coffres. Au début, je savais pas en fait le truc des coffres, donc il me manque ceux des premières missions, quoi. Et là, éliminer 3 ennemis avec un RCXD, ça c'est facile. Tout est facile, on vient. Éliminer une cible d'assassinat avec un couteau de lancer, on avait dit qu'on savait ce qu'on ferait, c'est qu'on fasse ça sur une deuxième cible. Défendez le coffre fort uniquement avec des pistolets. Éliminer 10 ennemis avec un fusil à pompe Dragon's Breath en une seule tentative. Attends, ils nous ont donné un Dragon's Breath ? Je crois que j'ai loupé le Dragon's Breath. Parce qu'en plus, j'aime trop comme arme. Ah bah alors ? Dans l'échec et mat, faites une élimination avec 12 armes différentes. Ah fuck, je suis à 9. Ok. En plus, elle est un peu longue, échec et mat. Hein. Et les exécutions sur les soldats d'élite. Elles sont vraiment bien les cartes. Regardez en bas, la Killmaster. Enfin, le texte est un peu daté, mais on s'en fout. En vrai, j'aime bien. Attendez, donc c'était là. Donc il y a ces deux là. Et après, il y a ce qui est là, on sait pas encore. La petite étoile, c'est pour dire où on en est, c'est pourquoi. Si je veux faire le défi là. Non, échec et mat. Peut-être si je fais sur le dernier, ça marche, vas-y. On va commencer la mission. Si on s'en fout, ce moment comme ça. Vas-y, Case. Il faut on va s'en sortir. Il faut d'autres armes, il faut d'autres armes. Attends, il faut d'autres armes. Aïe. Je suis sûr qu'il va bien. Une autre arme. Pardon, hein, je cherche juste une autre arme. Ah, ça c'est parfait, par exemple. Laisse-moi. Ah, voilà. Hein. Tac. Ah, 5 machins trucs. Vas-y, hop. Ça sert à rien. J'espère que ça tient compte de ce que j'ai déjà fait avant en fait. Auquel cas la prochaine arme c'est bon. Mais je suis pas sûre. Il faut une autre. LR, j'ai déjà fait. Come back. C'est bon, ça a marché. Ouais. Let's go. Ça c'est réussi, du coup. Donc, ça c'est fait, ça c'est fait. Ensuite, donc contrôle au sol, 10 ennemis avec un fusil Dragon. Bref, putain, mais ça je l'ai raté quoi. Grand parieur, vendetta. Du coup, il y a le truc avec la mission sous les radars où il faut faire les 3 trucs de Sèvres. Ce qui est bien, c'est qu'on a besoin de faire la mission au complet. Bon, là, faut que j'arrive à faire le truc de parler aux 3 bonhommes et d'utiliser ma vision, je sais pas quoi, de Sèvres. Écoute. On va voir ça. Celsius, pas Fahrenheit. J'en ai rien à foutre. En dessous de zéro, c'est bonjour. En dessous de zéro. On m'a demandé de charger ce paquet dans l'hélico. C'est urgent. Bien sûr. Vous avez le formulaire d'autorisation ? Hmm. Ça ressemblerait pas à l'insigne de la Légion étrangère française.
Tous ces formulaires d'autorisation sont signés par la même personne, le capitaine Petzer. Il semble avoir le bras long. Comme c'est mignon. Il garde une photo de ses filles sur son bureau tandis qu'il déterre des armes biologiques. Vous l'avez ce formulaire, oui ou non ? Sans blague. Je lui dois beaucoup, mais après 5 ans de service, je devais partir. Vous comprenez ? Ouais, Angela et Christine. Je m'imaginais pas devenir père, et pourtant voilà. Mais assez parlé de moi. Laissez-moi vous aider à porter la cargaison. Comme d'hab. Bon, pas besoin de déranger Betzer encore une fois. Je vais faire bouger les choses. Je peux peut-être faire quelque chose avec la cargaison de l'autre côté. Et on peut charger ce merdier. Ok, prévenez-moi. Je pourrais poser du C4 ici. J'ai placé des explosifs sur la cargaison. Maintenant, trouve un con qui voudra bien charger la bombe dans l'hélico. T'es prêt ? Il était temps. Allez, on se met au boulot. J'ai fait livrer un petit cadeau dans leur hélico. C'est Noël à Vorkuta. Bien joué. Occupe-toi aussi de la batterie de missiles et du radar. Tiens, tiens, de la viande fraîche. Rien de personnel. C'est juste qu'on n'a pas vraiment de distraction par ici. Ils viennent d'arriver. Pas besoin de se presser. Cette cargaison d'ogives vient de Biélorussie. Un bon de commande pour placer de nouvelles puces de guidage dans les ogives. Modèle GCX-78. Ces nouvelles ogives ne seront installées que demain. Mais je peux peut-être accélérer ça. Et donc, qu'est-ce que tu sais à propos de ces ogives, au juste ? C'est la première fois que je te vois par ici. Ouais, mais c'est pas prêt encore. Eh ben, puisque tu sembles en savoir beaucoup, qu'est-ce qui a été amélioré ? Ok, je m'en occupe cet après-midi. D'accord, vas-y alors. Attends maintenant, je suis là. Il faut que je trouve le dernier à qui on est censé parler. Je sais pas où il est. Ah, c'est lui ? Ah oui, c'est lui. Dites au sergent Whitman que je le lui prépare. Terminé. Merci. Le système radar est-il opérationnel en ce moment ? Pour autant que je sache. Pourquoi ? Il y a un problème ? Ils ont peut-être raison. C'est de la camelote. J'essaie encore de comprendre comment marche cette merde. Ils ont récemment réalisé une simulation d'interférence, ou je sais pas quoi. Le radar doit être déconnecté pendant toute la durée de l'opération. Des codes d'erreur. Intéressant. Code 11A. Défaillance du système. Il parlait au sergent Whitman par radio. Ça peut servir. Bon, qu'est-ce qui se passe ? 11A. Pourquoi j'apprends ça que maintenant ? Est-ce qu'il a précisé ce qu'il voulait exactement ? Ça m'étonne pas. C'est la première fois que je m'en sers. Faites-moi signe quand il faudra lancer la simulation. C'est bon pour le radar. J'ai convaincu l'opérateur de lancer une simulation d'interférence. Une simulation d'interférence ? Ils ne nous verront pas arriver. Bonne idée. C'est au tour de la batterie de missiles. Ça n'a pas validé le défi. Ça m'inquiète un peu.
cargaison a été déchargée. Dans l'autre conteneur. Ça pourrait servir à quelque chose. Où tu veux que je... devrais pas laisser ce corps traîner là. Ouais, je m'en occupe après. Là, je faisais déjà les cartes non cachées. Pour commencer, parce que je suis en train d'essayer de faire celle où on fait 3 fois vue per simple. Mais c'est bizarre, j'ai fait 3 fois vue per simple, mais ça a pas eu l'air de... Peut-être parce que j'ai pas validé l'action. Une petite révision. Il me reste celle-ci à finir. Leurs missiles sont compromis. Beau boulot. Maintenant, faut que le garde échange les bonnes ogives et les ogives sabotées. Il me cherche. Détends-toi. Tu vas y arriver. Faut cacher les corps. Non mais je l'ai déjà fait dans la vraie mission. Mais là j'ai pas besoin de... Normalement j'ai pas besoin. On est sur place. On commence les recherches. Trouvez qui a fait ça. J'inspecte ce coin. Mais je comprends pas que ça ait pas validé le défi en fait. Comme ça. J'ai besoin de renfort. Calme le jeu si tu peux. Ils ont failli me cramer. Je crois que c'est bon. Aucune trace de l'ennemi. Beau travail. Bien reçu. Il me reste un truc qui est pas fait. Ouais, c'est parce que j'ai pas demandé à l'opérateur de tourelle. Ok, c'est ça. Je pense que c'est juste ça. On va tenter ça. Sinon je le referai, tant pis. Parce qu'en gros, je pense que si tu fais les 3 méthodes... Pourquoi je joue pas en vétéran? Pour faire des défis? Quel intérêt? Je viens de finir la campagne, hein, pour info. C'était quoi ça? Non mais là, pour les défis. Vous avez vu ça? Compris. Regardez qui voilà. Bon, d'accord. C'est bon. Installez ces nouvelles. Let's go. Ça c'est facile, ça c'est facile. Ça c'est facile, faut juste pas oublier. Ça faut le refaire, j'ai la flemme pour l'instant. Et ces deux trucs là, faut juste que j'aille faire ça. J'ai 3, je sais où sont les 3 missions qui me manquent. Il y a juste lui le dialogue, je suis pas sûre de lequel j'ai raté. Il en reste plus beaucoup, hein. De ce fait. Bon, c'est bon. Je crois que je peux lui parler là et je crois que c'est le dialogue qui me manque. Je suis quasi sûre que c'est ça qui me manque comme dialogue. Enfin, si elle veut bien m'adresser la parole un jour. Peut-être parce qu'il faut que l'autre soit en place. Oui. Un mur cassé. Il manquait plus que ça. Retente. Allez, let's go. Sacrée journée. Oui. Hein, c'était ce dialogue qui manquait. Vous avez vu comment elle parle pas au début? La personne en qui tu as le plus confiance est la plus susceptible de te faire souffrir. J'ai de la peine pour Marshall.
Il y a quelques années, j'ai eu une relation. Il s'appelait Pascal. C'était un membre de la guilde aussi. J'avais jamais rencontré quelqu'un comme lui. Il s'arrêtait pas simplement aux apparences. Très bien pour trouver le bon truc. Il était convaincu que j'étais pas une tueuse. Que je prenais tout à cœur. Et moi, je l'ai cru. J'ai dit au chef de la guilde que j'avais plus envie de vivre cette vie. Ils m'ont alors confié qu'ils avaient appris que Pascal était un agent d'une famille rivale. Il avait infiltré la guilde pour semer la discorde et voler nos secrets. Ils avaient des preuves. Alors ils m'ont demandé d'organiser son élimination. La chose la plus difficile que j'ai eu à faire. C'est... Tu l'as tué ? Oui. La phrase. Mais ça devrait pas te surprendre, Case, de savoir ce qui s'est passé après. Tout n'était qu'un mensonge. Il était innocent. J'ai quitté la guilde et à ce moment-là, je me suis promise de les réduire à néant. Pascal avait raison sur un point. Je prends tout trop à cœur. Mais il s'est trompé sur un autre. Je suis une tueuse. Jusqu'à la mort. Si tu veux. Allez, bisous. Au top, ça c'est gagné du coup. C'était une aventure hein, ce défi-là. Parce que pour retrouver celui qui me manquait... Ouf. Les trois coffres du coup, c'est les trois missions qu'on a dit. Et là, il me manque... Ah, celui de faire les deux autres façons pour le scan. Ça tombe bien, j'ai plein de trucs à faire dans Blood Feud de quoi. Donc c'est dans Vendetta. Et dans Vendetta... On a le frag au couteau. On a le coffre. Et on a du coup... Le frag au couteau, le coffre... Attendez, je me suis perdue dans l'histoire. C'est tout ? Frag au couteau, coffre ? J'ai peur qu'on puisse pas faire ce que j'avais à faire. Alors j'ai peur que ce soit infini le flux de gens. Ah, signal détecté, super. Signal fort. C'est censé être là, du coup. Pourquoi je vois rien? C'est censé y avoir une radio dans le coin. Elle était dans celle de l'à côté. Ah, voilà. Super. C'est un des trucs qu'on avait à faire. Super. Hop là. J'ai eu un couteau. OMG. Alors, on va le mettre low. Oui, let's go. Putain, c'était pas simple comme défi, hein, parce qu'il fallait en choper un couteau.
Let's go. Ah, parfait. Oh, j'ai eu beaucoup, hein. 1740, c'est pas mal, hein. Juste avec cette mission-là. Elle est pas mal à farm, je pense. Est-ce que je peux te parler ? Oh ! Cool ! Let's go ! Ça avance bien, là. Le truc avec leur sexe, il se fait en 3 secondes, en vrai. C'est la toute première mission. Commençons par les affaiblir un peu. Au boulot, Case. Voilà. On a une ouverture. Le défi est fait. Allez, en avant. Easy défi. Celui-là, il était bien. Le verso, il est où? Le verso. Ah, ça va le faire. En gros, le verso. Faut juste que je chope le code. Attention sur le toit! Vous avez sniper! Mais c'est par ici, normalement. Ça, c'est ma PVP, ça. C'est dans un de ces endroits. Je te suis! Je fais le tour! Plusieurs ennemis au sol. Voilà. Hop! En avant! Y'a le port. Faut juste que je me fasse pas suivre, mais vas-y. J'ai pas où est le coffre par contre. Là je peux pas aller là. Ah putain, il est là. J'avais dit que c'était pas loin. Ok. Merci. Trop bien. Hop. Enfin, celui-ci, j'ai pas le coffre, je sais où il est en plus. Ouais, vas-y, let's go. Et lui, on est censé faire deux autres façons se trouve dans un embranchement du réseau de tunnels de Washington. De s'occuper du politique. Ça devrait être utile. Je t'ai marqué plusieurs façons de l'isoler et te permettre de te rapprocher suffisamment pour obtenir le scan rétinien. À toi de choisir. Si t'as une question à poser, c'est maintenant ou jamais. Je t'aiderai autant que possible. Le sénateur McKenna semble traverser des problèmes de couple. Il s'est disputé avec sa femme en arrivant. À mon avis, son sourire cache quelque chose. Elle est partie furieuse, et elle ne lui a plus parlé depuis. Elle passe son temps à noyer son chagrin dans l'alcool au bar. Peut-être que tu devrais écouter ce qu'elle a à dire. Et maintenant, à toi de jouer, Jess Burke. Hop. Cette année, Monsieur Foufou est passé à deux doigts de gagner le concours. À cette nouvelle année, puisses-tu être une année de salvation. Écoute-moi bien. Tout ce que je dis, c'est que si tu veux gagner... Oh putain. Ça, c'était pas prévu. Il est censé être dans le coin, je crois, le système. Il me semble que ça avait bipé dans le coin. Hey, vous n'avez pas le droit d'être ici. Allez-vous-en. Arrêtez de fourrer votre nez partout. C'est plus loin encore? Ah, c'est là. Parfait, vas-y. Zéro, huit, sept, deux.
Nice, on a eu tous les coffres. Vas-y, faisons le truc qui consiste à... faire ce call off. Eh bien, écoute, il est top. Hop là. Un autre. Oh, la presse. On ne vous a pas dit que mon mari et moi n'acceptions ni interview, ni photo. Je ne suis pas la nounou de mon mari, ni sa secrétaire. Je suis sa femme, même si on dirait qu'il a régulièrement tendance à l'oublier. Entre nous, la blague. Voyez-vous, ce que fait mon mari, ou plutôt qui il se fait, n'est pas un secret. Si c'est le sénateur que vous cherchez, suivez la coulée de bave jusqu'à tomber sur une petite minette qui aurait l'âge d'être sa fille. Vérifiez la salle des ventes. C'est là qu'était son assistante. L'assistante pourrait nous aider à obtenir une photo de McKenna. Son nom est Anne Johansson. Oui. C'est pas mon genre, mais je peux comprendre pourquoi elle plaît tant au sénateur. On ne voit plus d'artistes comme Cartier-Bresson. Maintenant, utilise le micro de ton appareil. Fais semblant de prendre des photos. Par ici. C'est l'assistante du sénateur. Il semblerait qu'elle ait une conversation plutôt sérieuse avec son mystérieux. N'oublie pas que l'appareil doit être tourné vers eux. J'en ai rien à faire du risque. C'est la récompense qui m'intéresse. Il paiera. Fais-moi confiance. Si on attend les élections, on pourra lui soutirer encore plus d'argent. Et moi, je te dis que sa femme est au courant de tout, c'est obligé. Mais on pourrait gagner beaucoup d'argent. Écoute, si on lui parle de la vidéo ce soir, il paniquera et il paiera. Mais si on n'agit pas tout de suite, on n'aura rien du tout. Fais-moi confiance. Tiens, prends le ticket du valet. Récupère la vidéo dans la voiture. Ok, j'irai dans quelques minutes. Faire chanter un sénateur au sujet d'une sextape ? C'est un grand classique. Les gènes sont microscopiques et difficiles à voir. J'en sais rien, moi, je suis pas sûr. Ça nous permettra de faire pression sur McKenna. Chope le ticket et récupère les clés de la voiture. Puis va chercher la vidéo. Vas-y, je garde un œil sur la fille. Dès que tu auras le ticket, donne-le au voiturier dehors. C'est lui ? Oh, en fait, il a rien à voir, lui. Tant pis. Où est le mec à voler alors ? Si c'est pas lui ? Ils m'ont pas laissé le suivre, c'est terrible. Et il est là. Je te l'ai dit. Un demi centimètre ici et là, ça fait toute la différence. Oui, tranquille. Mais j'ai entendu dire que les Allemands avaient lancé un feu d'artifice sous la porte de Brandebourg. Intéressant. Certains Allemands sont nostalgiques du temps de la RDA. Ils appellent ça une stèche. Leur vie a été totalement changée. Il est normal de connaître. Aux dernières nouvelles, on est en pleine récession. J'ai lu quelque part que dans trop de temps, il y aura encore des difficultés. Mais Sydney est un chien, pas vrai? Et c'est à nous d'en profiter. Tout commence ici. Chad va nous amener au sommet. Il va nous rendre. Alors, où est le voiturier ? Tu sais pas de quoi tu parles. Bonjour. Votre ticket ? Le fond de l'air est frais ce soir. À votre place, je me dépêcherai de rentrer. Tenez, monsieur. Il reste plus qu'à trouver la voiture. Si c'est une clé électronique, tu pourrais essayer d'activer le klaxon. Genre, c'est des limousines. Hé ! Vous foutez quoi avec ma voiture ?
Hop là, direct dans le coffre. Un agent de sécurité de la CIA se dirige vers toi. Baisse-toi et amène la vidéo à la femme du sénateur. Bonne chance pour le scan rétinien. Je te laisse, je vais me changer. Je me demande si ça compte direct comme un deuxième truc et si on peut direct relancer. Ou s'il faut valider la mission. On va pouvoir vérifier dès qu'on aura validé. Ça va faire un checkpoint de toute façon. J'en prendrai un autre. J'ai découvert ça lors de mon voyage à Sao Paulo. Encore vous. Oh. Toujours moi. Quoi encore? Oh, vraiment? Vous avez fait ça par pure gentillesse, j'en suis sûre. Mmh. Alors, qu'est-ce que vous voulez en échange? C'est tout ce qui vous intéresse? Laissez-moi quelques minutes. Pourriez-vous occuper Mademoiselle Johansson le temps que je revienne? Excusez-moi. T'es toujours en voyage? J'essaie de m'évader avec lui. Désolée, je dépenserai jamais 60 000 dollars pour ça. Quoi? Le sénateur ne veut pas parler à la presse ce soir. Et pour info, là, je ne travaille pas. Alors, allez déranger quelqu'un d'autre. Quel idiot! Comment il a pu laisser faire ça? Qui ça? À qui allez-vous la donner? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Attendez. Est-ce que vous parlez des tabloïdes? Ça frange, j'ai parti. Combien ils vous ont proposé? Je vous donne le double. C'est quel journal? Oh, ce n'est pas un journal, Mademoiselle Johansson. C'est moi. Myriam, croyez-moi, je vous promets, j'aurai jamais réellement publié cette vidéo. C'était juste histoire de me faire un peu d'argent, c'est tout. Rien de personnel. Absolument tout est personnel en politique. Vous pensez que je ne sais pas ce qui se passe sous mon toit? Je sais ce que vous devez penser, mais je vous assure, j'ai énormément de respect pour vous et pour votre mari. Mon mari, que Dieu le protège, est un idiot. Mais les gens votent pour lui, ce qui en fait un idiot utile. Vous, par contre... Ah. Oh, qu'est-ce que vous faites? Myriam, pitié. Oh. Ne quoi, très cher. Jason, oh, je crois que Mademoiselle Johansson a un peu trop bu. Oh. Aidez-la, s'il vous plaît. Quant à vous, nous avions un marché. C'est bon, je suis là. Qu'est-ce qui se passe? J'ai encore une fois nettoyé tes conneries, comme d'habitude. Tu vas devoir te trouver une nouvelle assistante. Pourquoi pas un gentil jeune homme, cette fois? J'aurais pu régler ça moi-même. J'ai promis une photo à cette personne. Alors sois gentil, s'il te plaît. Zoom. Ce sera tout. File donc. Merci pour votre précieuse aide dans cette affaire. Je vous souhaite de passer une agréable soirée. Buvez autant que vous voulez, c'est mon mari qui rince. Le scan est bon. Joli travail, Case. Maintenant, monte sur le toit. C'est par là qu'on rejoindra Adler. Ok. J'ai marqué l'escalier qui mène au toit. Stop. Est-ce que ça a compté? Oui, c'est bon, ça a compté, donc il n'y a pas besoin de valider la mission. Juste à faire l'autre option. Et j'aurai fini Détective Rigoureux. Let's go! Et maintenant, à toi de jouer, Jess Burke. Allez.
penses pas que c'est important d'avoir l'air autoritaire? Clinton Jackson. Un point. Tu te rends compte? J'ai envie de tenter un truc, mais... Je vais distraire l'hôtesse. Hop là. Occupe-toi de trouver un manteau bleu marine avec des boutons dorés. Je veillerai à ce que personne ne vienne t'interrompre. Comment gagner du temps? Salut. Bonsoir. Désolée, j'étais juste... Ah, vous voulez votre manteau? Non, non. Je veux juste discuter. Hé, je peux avoir mon manteau? Oh oui, bien sûr. Excusez-moi, vous voyez pas qu'on discute? Lee Grisham, responsable de la sécurité chez Aldrin Energy. C'est un ancien de la Navy, unité SEAL Team 6. On doit trouver ce type. D'après son dossier, il porte des lunettes avec un verre plus foncé. Prends-le en photo et je te dirai si c'est lui. Grisham pourrait bien nous mener à McKenna. Je viens de voir comment vous pouvez passer là. Ah non, ça passe pas. Alors... Mais tout est sur le point de changer. Cette année, Monsieur Foufou est passé à deux doigts de gagner le concours de canin du West. Puisses-tu être une année de salvation? Le pape dit pas ça tous les jours. Je te l'ai dit. Je parie que c'est écrit dans la description. 10 cm ici et là, écoute, ça fait toute la différence. Tout ce que je dis, c'est que je suis content de gagner depuis la place. Ils font un excellent hôte-toucher. Arrête de mon côté. Non, je cherche, je cherche. C'est une blague ou c'est véritablement le monde? Y'a personne avec des lunettes, hein? Leur campagne publicitaire cible clairement les enfants. Ils sont à ce point désespérés. Et là, c'est plus la zone. Wouuuut. Là, c'est la zone. Toujours rien. Je préfère les chats. Mais non, c'est vraiment là. Tu penses qu'il pourrait gagner un concours de chiens? Tartuffe? Oui, tranquille. Mais j'ai entendu. En tout cas, le styliste a mis tes épaules en l'air. Mais c'est impossible si j'ai jamais l'occasion de jouer. Je fais tout ce qu'il fallait. Le premier amendement nous protège contre la censure gouvernementale. Là, non. Mais où est-ce que tu fais ton talent? Je vois. Pris des points de vente aux enchères. Ah bah, heureusement que t'es là parce que moi je l'avais pas vu. Hein. On pourra aller se chercher un hamburger après. C'est pas lui qu'on cherche. Bah non, il a pas de lunettes. Ah. De face, de préférence. Mais pardon. J'ai pas à me plaindre. C'est pas cadré. C'était en 84. Il a plus été le même depuis. C'est lui. Lee Grisham, aucun doute. C'est pas une raison pour... Il vient de regarder son viteur. Sachez personne que Baryshnikov danse torse nu dans des collants ultra... Je vais maintenir à la tarte à la cerise ce soir. Grisham vient de franchir ses portes, près du garde. À gauche, là? Oh, dis donc, du coup, on était pas allés, là. C'est très bien qu'Aldrain a les moyens. Il vient d'envoyer des coordonnées sur mon beeper. Bingo. Il nous faut ce beeper. Je vais pas tarder à m'y rendre, histoire de le faire suer un peu. Aucun problème, monsieur. Avec suffisamment de pression, il finira par craquer. C'est à ça que sert le pouvoir. Ouais. Mais s'il se montre peu réceptif, vous voulez que j'envoie un message? Compris. Ce sera fait. Oh, il est taqué. Je m'attendais pas à ça. Un message codé, il fallait s'y attendre. Laisse-moi le temps de le déchiffrer. J'ai. C'est écrit « Cuisine dans 5 minutes ». Je regarde les plans.
Il semblerait qu'il y ait une cuisine dans le Hall West. Bonne chance pour le scan rétinien. Je te laisse, je vais me changer. On a un problème. Nos potes de la CIA viennent de débarquer. S'ils te voient, Case, c'est fini. Alors fais gaffe. J'arrive pas à croire qu'après toutes ces années, la guerre froide... Case, attends! Le directeur Livingstone veut s'entretenir avec toi. Ah, je me suis fait choper du coup. Non! Alors fais gaffe. J'arrive pas à croire qu'après toutes ces années, la guerre froide soit enfin finie. Fallait bien que ça arrive. Sinon, ça aurait fini dans le sang et les larmes. Case, attends. Oh, mais il est chiant. Veut s'entretenir avec toi. Oh, il va falloir que je fasse le tour parce que là, il est insupportable. Alors fais gaffe. J'arrive pas à croire qu'après toutes ces années, la guerre froide soit enfin finie. Le problème, c'est que je peux pas passer par là. Ah si. Si, si, je peux. C'est bon. J'ai vécu toute ma vie avec. Parfait. On va faire pour un défi, hein. Vous là. Mais vous êtes pas Grisham. Asseyez-vous. Bel appareil. Vous êtes une sorte de journaliste. Alors, dites-moi, quel est votre sujet? Le larbin d'une grande entreprise. Vous lâchez jamais l'affaire. Il n'y a absolument rien que votre club de gosses de riches puisse offrir que je n'ai pas déjà, ou que je ne puisse obtenir. C'est une putain de menace. Écoutez-moi bien, dites à votre chef d'aller se faire voir, ou j'appuierai tous les projets de loi sur la régularisation de l'énergie que je reçois. Renvoyez cette petite ordure chez elle avec un souvenir de notre petite discussion, quelque chose de vraiment pas beau à voir. Messieurs, je vous le laisse. Allez-y. Oh, c'était la version la plus violente, celle-là. Le scan est bon. Hop, défi réussi. Oh oui. Et là, normalement... Boum ! Détective suprême, 100%. Aïe. Et ici, il nous reste quoi ? Il nous reste... Défendez le coffre-fort, uniquement avec les pistolets. Oh, faut faire tout le début de la mission, c'est chiant. Et ça, alors ? Il ne me restera plus qu'un truc à faire. Je vais le faire, du coup, forcément. Forcément ! Où on en est? On aura fait tous les défis de la campagne? Ça me semble pas mal. Quoique, il reste les défis secrets, hein. Ils sont pas finis, eux. Il me reste deux défis secrets. Attends, Case. Adler est en guerre, mais on a des règles ici. Faut que tu les respectes. On y va. Oh. Regarde, quoi. C'est bon, j'ai. Let's go. Mazen.
S'il les tue à ma place, on est pas rendu. RAF ! Ouvrons cette porte ! Ok, j'ai plus qu'à faire des frags avec mon mari. Fumigène ! Reculez ! Normalement. Le Panthéon ! Il y a bon, droit devant ! J'ai repéré l'équipe de Marshall ! Ils sont là, bien scientifiques ! Et laissez pas s'enfuir cette fois ! Ok, je suis peut-être allé un peu violemment. Mais non, mais j'ai aucun explosif sur moi en fait. Je vais prendre celui-là plus précisément d'ailleurs. Faire d'être sûr que ce soit le bon. En avant. Allez. Merde. Ces types du Panthéon plaisantent pas. T'as besoin de munitions ? Vraiment le marine classique quoi. Ah mais c'est lui le Dragon's Breath. Ok. Mais pourquoi ils l'ont appelé marine ? On voit bien la différence là. Résistance en vue, ils essaient de gagner du temps. Lance-roquette sur le balcon de droite. C'est lui effectivement, je reconnais. On connaît l'arme de zinzin. Voilà, je suis réussi. Tout va bien. Au top. Ok, il n'en reste plus qu'un défi. Au final. Donc de défendre le coffre-fort avec uniquement des pistolets, c'est tranquille. C'est une mission que j'aime bien, mais bon. C'est un peu loin pour le faire, donc c'est un peu long, mais bon. Et donc, c'est là qu'on doit mettre que des pistolets. Je suis dans l'armurerie. Belle collection. Prends ce que tu peux. Simple et léger. Je fais gaffe que ce soit bien marqué aussi, on sait jamais. Encore deux. Sève, charge ses armes. Une autre. Voilà. Tout est prêt. J'ai mis que des pistolets. Bien reçu. À tout de suite. Normalement, on est bon. Putain de merde. Hé, hey, les gars. On a un problème ici. J'en suis conscient. Putain, Félix ! Ne faisons pas attendre Case. Sève, c'est 4. Je pense que j'aurais les 3000 pour un skin. Avec tout ce qu'on a fait là. C'est bâti. Il nous faut le C4. Ça va péter. Je peux pas le prendre tout de suite, ok. J'allume. N'oubliez pas, on n'aura pas beaucoup de temps avant que les gardes ne débarquent. Place au feu d'artifice. Sève. Ça a marché ? Parfaitement. Mmh.
Peux-tu localiser le panneau de contrôle ? Merci bien. Va avoir de la compagnie. Sors de là et prends une arme, Seb. C'est pas forcément ce pistolet que vous voulez, mais... Ouais, je préférais lui. Pilator, okay. Allume-les. À droite, dans les escaliers. À droite, dans l'ascenseur. Ça avance, Félix. La procédure est complexe. Il est fort. Posto riparo. Sur la gauche. Félix, t'en es où ? Ah, il me faut plus de temps. Dépêche-toi, mec. Zev, par ici. On doit s'occuper de ces connards. C'est bon, défilez ici. On va leur un petit cadeau. Ne vous sois pas, Case. Oh non. Termine tous les défis, maître imaginatif. Let's go! Hop! Gardez ça! 100%! Faut avoir un petit screenshot, hein! Il reste ça. Alors ça, j'ai fait lui et lui. Il y a deux confidentiels que je connais pas ici. C'est celui-ci ou c'est celui-ci ? Celui-ci ? Il faut réussir le truc. C'est celui-ci. Le truc avec le timer. Dans un single run. Peut-être juste pas à mourir. Viens voir. J'ai toujours voulu intégrer la CIA. Comme tes parents. J'ai toujours eu soif de vengeance. Et je voulais tourner la page. Allez. L'anglais m'a accepté. Les journaux, je pense qu'il faut juste pas mourir. Mon oncle et ma tante, ils racontaient tous la même histoire. Mes parents avaient été tués lors d'un simple cambriolage. Ça arrive plus souvent qu'on le croit, on me disait. Mais au fond, je savais que c'était faux. Je me disais que maintenant, après des années de carrière, après plusieurs promotions, peut-être que j'aurai accès à la vérité. Oh. Qu'est-ce que t'as appris ? Personne ne savait rien au sujet des meurtres. Ok. Alors, pendant des années, j'ai fouillé toutes les archives physiques auxquelles j'avais accès. J'ai un doute. Quand j'ai enfin pu consulter les documents classés ultra confidentiels, c'est peut-être le chapitre d'avant. Leurs dossiers avaient disparu. Tu crois que la CIA te cachait quelque chose ? Je vais prendre le relais. Évidemment qu'elle cachait quelque chose, là. Woods. Elle cache toujours quelque chose. Et toi ? Tu es faible et crédule. Contrairement à moi ! Ok. Là, je pense qu'il faut juste pas mourir. La drogue, c'est Storm, Jane. Je reprendrai bientôt le contrôle. Parce que sinon, je vois pas comment je pourrais le faire dans le temps. Imparti. Je dois rentrer dans mon bureau. Qu'est-ce qu'il y a dans ton bureau ? Quoi que ? Vas-y, où ? Un grappin.
Oh, pas encore. Ça se fait en vrai. Qu'est-ce qui se passe? J'ai encore le grappin. Bravo. Tu vas devoir faire mieux que ça, ma grande. Je trouverai ce que tu me caches, ce que tu prépares. Je pense qu'il faut réussir à faire ça, mais sans... Est-ce que tu me caches? Ah, dommage. Mais sans se rater. Ça se fait. Toujours voulu intégrer. Ça se fait, mais c'est chaud. Hein. Comme tes parents. Elle a toujours eu soif de vengeance. Et je voulais tourner la page. Allez. L'anglais m'a accepté. Les journaux, la police... Ça se fait parce qu'on gagne un peu de temps, en fait. Au début, on peut commencer alors qu'il n'y a pas le timer. Mes parents avaient été tués lors d'un simple cambriolage. C'est chiant de se taper le texte, par contre. Ça arrive plus souvent qu'on le croit, on me disait. Mais au fond, je savais que c'était faux. Je me disais que maintenant, après des années de carrière, après plusieurs promotions, peut-être que j'aurais accès à la vérité. Qu'est-ce que t'as appris ? Personne ne savait rien au sujet des meurtres. Alors, pendant des années, j'ai fouillé toutes les archives physiques auxquelles j'avais accès. Et quand j'ai enfin pu consulter les documents classés ultra confidentiels, leur dossier avait disparu. Tu crois que la CIA te cachait quelque chose ? Je vais prendre le relais. Évidemment qu'elle cachait quelque chose, Walt. Allez. Elle cache toujours quelque chose. Il faut pas tomber en plus. Et toi ? Tu es faible et crédule. Contrairement à moi ! Vas-y, allez. Lève-toi. La drogue s'estompe, Jane. Je reprendrai bientôt le contrôle. Je dois entrer dans mon bureau. Qu'est-ce qu'il y a, donc ? Non ! Je dois entrer dans... Non, non, non. Là, j'ai plus dans le même élan. C'est terrible. Je dois entrer dans mon bureau. J'ai pas la même... Je dois entrer dans mon bureau. Je dois entrer dans mon bureau. Qu'est-ce qu'il y a dans ton bureau ? Non, non, non. En fait, c'est dommage, c'est que quand on fait l'animation... Une espèce d'inertie qui est bien en termes de je dois entrer vitesse dans mon du personnage. Qu'est-ce qu'il y a dans ton bureau ? Là, c'est pas mal. Un grappin. Tu vas devoir faire mieux que ça, ma grande. Je trouverai ce marcher? Que tu me caches, oui ce que tu prépares. Let's go. Qu'est-ce qu'il a à ton bureau? Let's go. Waouh, j'ai réussi. Trop bien. Et du coup, le dernier, c'est celui de faire donc les 4 Scud sans utiliser de C4. Un peu long, mais si on fait ça, on a tout fait. Vas-y. À savoir que les deux autres du coin, c'était un cible prioritaire de ne pas se faire remarquer. Et dans sous les radars, de cacher 5 corps. Attends, je cherche la mission, du coup. C'est celle avant le berceau. Voilà, saison de la chasse. Hop. Ce qu'il y a, c'est qu'il me faudrait genre des trucs en mode frappe de mortier ou un truc comme ça. On commence. Est-ce que je peux essayer de le faire comme ça? Véhicule ennemi en approche. Lancement en cours. On s'en occupe. Je vais voir s'il y a moyen de faire comme ça. Juste. Ah, il n'en plus des armes explosives, ok. Bon, ça devrait suffire en fait, non? Come on!
Ah, peut-être avec ça. T'imagines, on veut pas mettre de C4. Comment on fait pour pas mettre de C4 si on veut pas... C4 ? J'ai dit non. Ah ! Parfait. C'est bon, j'ai pas mis de C4. Tout va bien. Parfait, on en a 5, donc on peut réussir. C'est bon. Partant de là, on est bon. Bien joué, tout le monde. Maintenant, écoutez. Richard, Skinner, débarrassez ces ordures et déchargez les camions. À vos ordres. On va établir le campement ici. Ton équipe est pas trop dégueu, Park. Voyons ce qu'elle sait faire d'autre. Ok. Donc là, j'en ai 3 à détruire. Je vais les faire aux roquettes en rochon. Ce sera notre base d'opération et désormais. Ce sera où? Tiens, on dirait que t'as gagné le droit de porter la carte tactique. Merci pour la carte. On a beaucoup de terrain à couvrir, alors ça te sera utile. On doit encore neutraliser 3 autres Scuds. Ouvre bien l'œil. Tu pourrais trouver d'autres trucs intéressants. Gladney m'a promis qu'il aiderait ton équipe à entrer dans le palais si vous détruisez ces Scuds. Faites ce qu'il demande, et on verra bien s'il tient parole. Tu peux aller lui parler si t'as envie. Non. Il restera au camp pour s'occuper de la logistique du SAS. Pardon. Fais-nous juste savoir quand tu voudras partir. Maintenant. Je vais juste reprendre des mines. Ça manque pas d'armes ici. Sers-toi. Tu devrais peut-être prendre du C4. C'est hyper efficace contre les lance-missiles. Allez, vas-y, let's go. On partira quand on aura pris ce qu'il faut. Là, c'est la mine. Hop. Ouais, du coup, c'est bon. On a ce qu'il faut au large. On a juste à aller mettre nos... Nos 3 roquettes bien placées et le défi est réussi. En recrue, ça devrait pas être compliqué. Quelqu'un a oublié son bateau. Ça tombe bien, je le cherchais partout. Ça fait sûrement des années que c'est là. Regarde, au milieu des palmiers. La plantation de Date. Il y a un lanceur de Scud là-bas. Case, okay, je vois des ennemis à gauche. Oups, un rocher. Ça passe, ça passe. Let's go. Faudra que tu montes ton permis après ça. J'ai bien envie. On rentre dans le tas. Ça, c'est fait. Ouais, Eda, plus que 2. Ils ont pas aimé. On se tire. C'est la version speedrun que je vous fais là. Alors oui, après tout ça, après le truc de faire les défis et tout, ils te rendront vraiment en mode à nous voir débarquer. Capable de faire du speedrun. J'aime être reçu comme il se doit. C'est pas des flèches, mais ils sont nombreux. Ça passe là? Ça passe? Ça passe. Allez, let's go. Parce qu'à la différence de quand tu découvres, tu sais exactement quels sont les objectifs et tout ça. Regardez là, s'en fout. La fumée orange indique un largage de ravitaillement. On devrait aller jeter un œil. Ça passe là? Nous pique notre matos. Oui. On engage. Je crois qu'on est bon. Je prends pas mal, Case, mais la conduite, c'est pas ton truc. Non mais oh. Excuse-moi, mais on voyait rien. T'as qu'à le faire, hein. T'as vu où on passe? Non mais. Il y a des ruines là-bas sur la falaise. Ah oui, mais c'est il au fond gauche normalement. Il devrait y avoir un scud dans le coin. Il y a un campement dans les ruines là-bas. Vas-y doucement. Je vois plusieurs ennemis, mais ils savent pas qu'on est là. Le campement aux F, nous il nous faut le lanceur. Est-ce que là ça suffit? Dommage. On est trop loin encore.
sur ta gauche. Tu vas griller ta couverture. Oui, c'est la vie. J'en vois quelqu'un. Hop là. Ça m'intéresse pas, les gars. C'est vraiment pas ce qui m'intéresse. Et là, j'ai plus la vision. C'est dommage. On va refaire le tour. Je sais pas si je pourrais TP au camp de base si on est en combat. Je crois pas. Plusieurs ennemis sur ta gauche. Voilà. Pas pratique, hein, votre accès là, les gars. Ok, c'est bon. Ouh, on dirait que t'as fait ça toute ta vie. Encore okay, un ouais. Forte présence ennemie dans la zone. Un petit loot. C'est gagné. J'ai du mal à croire qu'une danger écarté. Ouais, elle est comme ça. Hein. En vrai. Is ok. Des coups de feu à droite, derrière les dunes. Attention. Ici le lieutenant-colonel Bannon de la Delta Force. Demande de renfort immédiat. Notre hélico est en train de se faire allumer. On a besoin d'aide. Est-ce que quelqu'un m'entend? On a des blessés et un hélico à terre. Et moi, je suis en mode non. Balek. Alors, le truc, c'est qu'il est derrière, je crois, là. On ne pas longtemps. Un truc qui nous intéresse ici. Tu vois ce que je vois? C'est fini. Ennemi à 9h. Garde, droit devant. Beaucoup de gardes. Ils doivent protéger quelque chose. Le dernier lanceur de Scud se cache au milieu de ce chantier. Du travail de pro. Plusieurs menaces à gauche. Ils ont renforcé la sécurité ici aussi. Ici, elle est vraiment renforcée pour le coup. C'est fou, j'ai réussi à passer comme ça. Ils vont voir tomber. Oui, bah là, à un moment, oui, ils vont le voir, oui. À un moment, quand même. C'est gagné. Des ennemis convergent vers notre position. Je te mets à côté. Oui. J'ai gagné. Encore un copain en armure. Ouh. Il est costaud. Hop. On a tout. Let's go. Tous les trucs d'opération secrète et tous les trucs de carrière. We did it!